Il y a un an, Barbara faisait des adieux à l'Olympia. Elle voulait tenter autre chose. Après un essai au théâtre, elle reprendra dans quelques jours le tour de chant. Cependant, elle refuse d'y voir le constat d'un échec. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir. Vous avez annoncé votre départ. Non, j'ai annoncé que j'abandonnais un système, une manière de travailler. Mais j'ai jamais dit que je quittais la scène. Et d'abord, j'étais partie au moment où les choses allaient le mieux pour moi. Si vous voulez, j'ai annoncé cette chose-là à ce moment-là. Je veux dire un constat d'échec de quoi? Vous avez voulu changer, vous avez voulu laisser la chanson. Non. Et là... Non, je n'ai pas laissé la chanson. J'ai abandonné une façon de travailler qui était justement une espèce de fonctionnariat, comme un fonctionnariat. J'ai dit, je ne veux plus faire tous les ans un disque, tous les ans un musical, revenir tous les ans dans une même ville, à la même heure, même... Ça, je ne veux pas parce que finalement, il y a une espèce de malhonnêteté qui s'installe, une espèce de facilité. J'ai dit, je ne veux pas continuer, je veux recommencer, je veux faire autre chose. Alors, j'ai fait cette pièce, puis je recommencerai sûrement à faire une pièce. Puis maintenant, je chante. Et puis voilà, je veux dire que je vais faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Mais en quoi ce que vous allez faire là est différent du système que vous refusez? Ah ben, c'est différent parce qu'au moment où j'ai annoncé ça, je n'avais absolument aucune idée de chanson, et pas du tout de chanson nouvelle, et pas du tout envie d'écrire des chansons. Et là, j'ai des chansons nouvelles, j'écris des chansons. Alors déjà, si vous voulez, c'est différent dans la mesure où je reviens avec des chansons complètement nouvelles. Différent. Différent aussi parce que c'est le cabaret. Il y avait très longtemps que je n'ai pas chanté de cabaret. Et puis que j'ai envie de chanter, qu'à ce moment-là, j'avais plus envie. Alors, dans la chanson, qu'est-ce que vous allez faire et ne pas faire? Oh, je n'en sais rien du tout, il n'y a pas de loi. Je vous parle de ma façon de faire le métier. Je vous parle, il n'y a pas de loi à faire ou pas faire. On peut tout faire, vous savez. On peut tout faire. Si on est sa propre vérité, on peut tout faire. Ce qui est important, c'est de ne pas tricher et de continuer à être amoureux, de ne pas cesser de croire. On peut tout faire. J'ai senti aussi que le public se sentait frustré ou triste. Ça, je ne veux pas.